Good morning, allez, il est sur le jour de l'Unish Matavra Mordechai Ben Israël Vefani Dvora Bat Esther ainsi que l'Irfouat Amram Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Messer Khatipamot Perikret Mishnah Vav Sris Rama Kohen Shinasa Bat Israël Machila Bitruma Rabbi Yossi Rabbi Shimon Omrim Androgynos Kohen Shinasa Bat Israël Machila Bitruma Rabbi Yuda Omer Tum Tum Shinikra Benim Tzazachar Lo Yachlots Mipene Shu Kesaris Androgynos non se aval lo nisa, Rabbi Eliezer Omer, Androgynos ravin alav skila kazachar. Une Mishnah qui va parler de plusieurs sujets, mais de manière générale, tout va tourner autour d'un même thème. L'Androgynos et le Tumtum. Alors, Androgynos, on a déjà expliqué que c'est pas un androgyne, parce qu'en androgyne, parce que j'ai cherché, désolé, j'ai passé une demi-heure à regarder des tas de trucs insolites et des fois tomber sur des images désagréables. Pour comprendre c'est quoi exactement un androgyne, un hermaphrodite et un intersexuel. Concrètement, je crois, ce qu'on appelle nous dans la Mishnah androgynos, c'est pas androgyne. Androgyne, c'est quelqu'un qui est un homme, qui a une tendance féminine. Ça peut être certains signes, mais c'est pas encore marqué par deux membres. Quelqu'un qui a deux membres, ça s'appelle un intersexuel. Ça veut dire... Il peut avoir deux membres, ou il peut développer une poitrine de femme alors qu'il a un membre d'homme. Ça peut être aussi une femme qui a un membre d'homme. D'accord? Là, on tombe dans l'intersexuel. L'hermaphrodite, apparemment, ça n'existe pas. Je pense que même dans la Gemara, ça n'existe pas en réalité. C'est quelqu'un qui a concrètement les deux sexes et qui peut se reproduire comme un homme ou comme une femme. Ça, c'est pur de la pure, mythologie grecque. Voilà quoi, c'est sur ça que je suis tombé sur les photos, il y a des tas de sculptures bizarres. Voilà quoi, il y a en tout cas, donc ça c'est hermaphrodite, je crois que c'est pas le bon terme, même si par association on a un peu assimilé à celui qui avait concrètement les deux membres à hermaphrodite, apparemment la médecine moderne ils appellent plus ça l'intersexualité, qui ne s'exprime pas forcément par les deux membres, ça peut être aussi, donc, comme je vous ai dit, une femme qui a juste un membre qui lui sort, mais elle est femme parce que chromosique. En parlant, elle est XX et pas XY pour les chromosomes. D'accord? Je reviens maintenant sur le vif de notre Mishnah. Donc, quand on va dire nous androgynos, c'est celui qui a les deux. Et quand on va parler maintenant du tumtum, c'est en réalité celui qui a rien, hein, mais il a rien parce que c'est sûr qu'il a des choses à l'intérieur sous la peau, mais tout est couvert par une peau qui recouvre le tout. Il y a aussi des cas bizarres qui existent comme ça, c'est des malformations génétiques. Elle va développer à la fois un ovaire avec une testicule, d'accord? Un chamboulement. Et tout est couvert par un membre. Donc en fait, on a deux choses. On a androgynos et on a tumtum. Androgynos, donc on est celui qui a les deux. Et tumtum, c'est celui qui est fermé. Et que ça, on en parle fréquemment dans la Mishnah et dans la Gemara, que des fois, cette peau se déchire et on découvre qu'est-ce qu'il avait en dessous. Ok? Ça, c'était la... L'introduction. Maintenant, on commence avec notre Mishnah d'abord avec quelque chose de très simple. Saris, Chama, Kohen, Shenasa, Bat Israël, Machila, Bat Ruma. La Mishnah enseigne que celui qui est castré de naissance, il est né sans développement génétique, c'est-à-dire qu'il est castré, donc il n'a pas développé cette capacité de se reproduire, l'appareil reproductif ne fonctionne pas chez lui. Lui, malgré tout, il peut se marier avec une Bat Israël, il a le droit de se marier normalement. Et Machila, Bat Ruma, si c'est un Kohen, il pourra même lui donner à manger de la trauma, c'est un vrai mariage, parce qu'il n'y a aucun interdit à se marier avec quelqu'un qui est stérile naturellement, parce qu'il ne s'est pas développé. Ça, on a le droit de se marier avec lui. Ce qui est interdit, c'est celui qui avait le membre, et qui a fait une opération, ou qui s'est fait castrer. Lui, il a un interdit de se marier. Lo, yavo, saris, comme c'est dit déjà, p'tua daka, ou kouchofra, libika, lachem. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait déjà appris dans le Mishnah précédent, c'est une répétition pour insister sur le fait qu'il a le droit de... Il a entièrement le droit de se marier et de donner à manger à la tourma si c'est un Kohen. On continue. Rabbi Yossi Rabbi Shimon Omrim, Androgynos Kohen, Shenasa Bat Israël, Machila Betrouma. On va commencer maintenant à s'intéresser à savoir est-ce que l'androgynos, comme on a dit, l'intersexuel, ouais, est-ce qu'il est considéré comme un homme ou comme une femme? C'est le sujet de notre Mishnah. On a en fait en réalité trois avis. Ça se passe comme ça. Rabbi aussi, Rabbi Shimon nous dit Androgynos Kohen, Shenasa Bat Israël. Si c'est un Androgynos Kohen qui a marié une femme d'Israël, eh bien il pourra lui donner à manger de la trauma, figurez-vous, parce qu'on le considère comme un homme, d'après ce premier avis, il le considère comme un homme à part entière. D'accord? Ça, c'est un premier avis qui est rapporté au nom du Mishnah. Cependant, il nous rapporte, nous dit le Bartanoura,
que selon Rabbi Yossi, qui est rapporté ici, de toute façon, il y a Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, il y a une braïta dans la Gemara qui va nous dire qu'en réalité, non, l'androgynos, Rabbi Yossi, il a changé d'avis en route, et il nous a dit que l'androgynos, en réalité, c'est une personne du troisième type. C'est ni un homme, ni une femme, c'est un androgynos. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. Et voilà. On va en reparler après, à la fin de la Mishnah, dans un autre rapport, d'autres choses. On verra ensuite. Pour le moment, Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda, donc finalement, selon donc Rabbi aussi, tel qui corrige après coup sa halakha, il va nous dire que non, un androgynos qui va se marier, un Cohen qui va se marier avec une bâtisse reine, il ne pourra pas lui donner en jeton, parce qu'en réalité, c'est deux femmes mariées ensemble. Deux femmes mariées, s'ils se marient, quoi. D'accord? Si on peut considérer comme mariage, il n'y a pas d'interdit à aller ensemble dans ce sens. On verra dans la fin de la Mishnah quelque chose de plus compliqué. Pour le moment, au maximum, au mieux, c'est un homme. Au pire, c'est une femme, donc deux femmes ensemble, c'est pas considéré qu'ils ont un rapport. Et il pourra se marier, si ça leur dit. Mais malgré tout, il ne peut pas donner à manger à sa femme de la tourma, parce qu'il est peut-être en réalité une femme et qu'il n'y a pas de mariage entre eux. Ensuite, Rabbi Yehuda, il nous enseigne encore une autre chose en rapport avec tout ça, qui est Tum Tum Shenikra. Le Tum Tum, on a dit, c'est celui qui a un membre qui recouvre tout, on ne sait pas ce qui se passe en dessous. J'ai du mal à. Je sais pas à quoi ça ressemble, quoi. J'ai arrêté des recherches internet parce que là, j'ai vraiment eu peur de tomber sur un truc vraiment dégueulasse. Mais Tum Tum, en réalité, je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous, il y a une peau qui recouvre le tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour uriner. Bonne question. En tout cas, on parle d'un Tum Tum, que cette peau-là s'enlève, et puis on découvre que c'est un homme. Il y a un membre en dessous. Chez Nikra, Venimsa Zahar, il s'avère que c'était un Zahar, c'est un masculin, c'est un mâle, un homme. Et bien la méchante enseigne que malgré tout, le Yachlot, Ipene, Shio Kesaris, malgré tout, il n'aura pas besoin de faire la Khalissa. Imaginez qu'en réalité, il y avait Reuven et Shimon. Shimon, c'était le Tum Tum. Reuven qui décède sans laisser de progéniture à sa femme, et elle tombe devant Shimon. Maintenant, Shimon, on lui dit, c'est parce que c'est un homme ou une femme. Tac, sa peau s'arrache, on découvre que c'est un homme. Est-ce qu'il pourra. Alors, Iboum, il n'en est pas question. Parce qu'Iboum, comme ce qu'on va voir tout de suite, dans 30 secondes, justement, qu'on va comprendre la raison pourquoi. Là, on a un avis qui vient nous dire qu'il a même besoin de le faire à la Khalissa parce que Mipnichou Kessaris, parce qu'il est comme un castré. Il ne peut pas donner naissance. Donc là, il ne rend pas tour complètement à même de faire à la Khalissa. Seulement dire qu'il le rend sari, qu'il le considère comme un sariste, il y a un petit problème. Parce qu'il est de naissance comme ça. Et s'il est de naissance comme ça, il ne pouvait pas donner naissance. Donc s'il ne peut pas donner naissance, on avait appris que celui qui est castré de naissance, il doit quand même faire la Khalissa. Donc en fait, il considère que c'est un sariste, comme il nous le dit le Barthel Noah. Il y a une discussion sur ça en réalité, comment le considérer, est-ce qu'on le considère comme un sariste Adam ou pas. Et il y a un avis qui va nous dire que non, au contraire, c'est considéré comme un sariste Adam, figurez-vous. Qu'en réalité, concrètement, il avait un membre qui n'était pas tellement fonctionnel, mais en tout cas, il était considéré comme sariste Rama initialement. Mais au moment où sa peau s'est arrachée, et ben, là, ça a été quelque chose qui a atteint le membre, donc il est devenu maintenant sariste Adam. Il est devenu exclu pour faire même la Khalissa. J'espère que j'ai bien dit, c'est compliqué, elle est compliquée à comprendre cette Mishnah, il y a même Rabbi Kéveguer qui pose des questions. Je reprends dans les mots quand même. Rabbi Yehuda Omer nous dit le Bartanoura, Vélet el Khatakavata, la Khalissa pas comme ça, et qu'il devrait quand même faire la Khalissa, parce qu'en fait il est considéré comme un Saris Adam. D'accord? Comme quelqu'un qui était castré ensuite. Ok? Je continue maintenant la Mishnah. Androgynos, alors on a une phrase, une discussion un petit peu bizarre, qu'en fait, on va dire traduire, et après on va expliquer de quoi ça parle. Androgynos nocé avalonissa. Un androgynos, donc celui qui a les deux, un intersexuel, il peut se marier, mais il ne peut pas se faire marier. Il a les deux membres. Ben on va dire, ben tu sais quoi, tu peux te marier avec une femme. Mais un homme ne pourra pas le marier. Parce qu'il a les deux. Et alors quoi? Bonne question, on va voir. Rabbi Lézor, mais Rabbi Lézor nous enseigne, non, androgynos, chayavin alav skila, kazachar. Il nous dit qu'un androgynos, celui qui a les deux membres, celui qui va avoir un rapport avec lui, eh bien il est chayav ce qu'il a, il est passible de lapidation, comme celui qui va avoir un rapport avec un homme. Et là, en réalité, la Gemara explique un petit peu mieux l'histoire. En réalité, d'après tous les avis, un androgynos, on ne sait pas ce que c'est un homme ou ce que c'est une femme. Donc, il n'est pas question qu'un homme ait des rapports avec lui, d'après les deux avis. C'est pour ça qu'il ne peut pas être marié. La discussion qu'il y a en réalité entre Tanakama et Rabbi Eliezer, elle est comme ça. Elle est qu'il a les deux membres. Imaginez maintenant, quelqu'un qui va avoir un rapport avec lui, il peut avoir des rapports par deux orifices, comme deux hommes entre eux, par derrière, ou bien même aussi par le membre qui est relatif à la femme, qu'il a.
D'accord? Il a une ouverture aussi comme une femme. Alors sur ça, c'est sur ça qu'il y a la discussion. Rabbi Eliezer nous dit, un androgynos, pour être hayav, ce qu'il a, c'est que s'il a un rapport comme avec un homme, par l'arrière, uniquement, mais par le pseudo-orifice qu'il a, en plus du membre masculin qu'il a, ça ne va pas le rendre hayav ce qu'il a. Et c'est sur ça que Tanakama, il nous dit, il est en discussion, comme ça la grande explique en fait, en prouvant que c'est comme ça, que peu importe par les deux orifices qu'il a en bas, on est celui qui va avec lui, il a ce qu'il a parce qu'il a eu un rapport avec un homme. Ok? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.